yeux de tous les observateurs réunis ce soir-là à Yaoundé, la 8e Coupe d'Afrique des Nations marquait d'une manière spectaculaire la grande fête du football africain. Le président Aïdjo donnait alors symboliquement le coup d'envoi des compétitions. Sans atteindre les sommets, le niveau des rencontres devait être des plus honnêtes. Le Cameroun prenait un bon départ en inscrivant deux jolis buts pour son premier match face à une équipe du Kenya dont le jeu séduisit plus d'un spectateur. Sans convaincre, le Cameroun se qualifiait pour les demi-finales. Quant au Kenya, en l'absence d'un buteur, il était éliminé. Avec le deuxième match Togo-Mali, journalistes de tous les pays se souviendront de la remontée des Togolais face aux Maliens. Mais cela leur sera insuffisant pour se qualifier pour la phase suivante de la Coupe. À Douala, pour le groupe B, le choc Zaïre-Congo était craint par certains, mais attendu de tous. Le match devait d'ailleurs se dérouler dans une parfaite correction. Quelques émotions cependant pour ce joueur zaïrois, mais finalement plus de peur que de mal. Et après deux pannes de lumière, le Zaïre, par son avant-centre Ntumba, remportait la victoire et devenait le favori de l'épreuve. Mars, demi-finale à Yaoundé. Le Congo-Brazzaville, qualifié par tirage au sort aux dépens du Maroc, créait la surprise en éliminant d'ailleurs très régulièrement le Cameroun par 1-0. Malgré les encouragements du président Aïdjo, le Cameroun, victime de la défaillance de certains éléments et abandonné par la réussite, n'accédait pas à la finale. Trois jours plus tard, apothéose avec une finale un peu inattendue. Le Mali, qui avait défait à Douala le Zaïre 4-3 après prolongation, rencontrait le Congo-Brazzaville. Le Mali, en première mi-temps, prenait l'avantage par un but de Diakité, mais en seconde mi-temps, la logique du sport était une fois de plus battue en brèche quand, par deux fois, le Congolais Mbono permettait à son équipe de prendre l'avantage. Après l'égalisation, deux minutes plus tard, Mbono inscrivait un deuxième but de toute beauté. Enfin, François Mpelé, le joueur congolais opérant dans l'équipe française d'Ajaccio et l'un des meilleurs joueurs de cette coupe, achevait le triomphe de son équipe en marquant un troisième but. La victoire ne pouvait plus alors échapper à l'équipe congolaise. Une dernière réaction des avants maliens, privés, il est vrai, de Salif Keïta, blessé, leur permettait de réduire la marque par Moussa Traoré. ...3-2, tel était le score de cette finale de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les joueurs congolais manifestaient leur joie, toute la déception du Mali se disait sur le visage de Salif Keïta. Le capitaine Dolou recevait des mains du président Aïdjo le trophée de cette 8e Coupe d'Afrique qui récompensait une équipe régulière qui a su profiter de son rôle d'outsider en surprenant les meilleurs. Elle défendra son titre dans 2 ans au Caire. Deux ATG. Ensemble. Ensemble. Écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.